Ioniq de Jeanlin Hyundai, en effet, qui va être la voiture officielle de Pharaonic. Bah exactement, elle va nous permettre de transporter en tout cas les artistes le jour J, et puis surtout aussi de travailler sur toutes les opérations de communication qu'on va avoir, en amont, puisqu'on va attaquer ça en tout cas dès ce week-end et pendant un mois et demi. On va être présent en tout cas un petit peu partout, sur Grenoble, sur Lyon, sur Annecy, sur Chambéry, avec des vagues en tout cas de street marketing pour faire la promotion du festival. C'est étonnant, oui, tout à fait, parce que c'était un peu une évidence pour nous qu'on a eu cette opportunité, car Pharaonic devient un événement majeur dans l'activité culturelle de notre région, donc c'est pour ça qu'on a pas hésité un instant. Puis on prend un peu le relais sur quelque chose qui avait été mis en place par Hyundai France, en mettant en avant le côté électro avec la Hyundai Ioniq. Ah bah les places, on peut bien sûr les acheter déjà en tout cas sur pharaonic.fr, avec en tout cas de très beaux artistes, puisqu'on a notamment Kungs qui va venir, on a W&W, Martin Janssen, Mike Williams, Ugel et Boris Way, et on va annoncer aussi un très gros dans quelques temps, en tout cas qui va venir compléter la liste finale de tous les DJ.